Nous n'avons jamais été violents et nous ne serons pas parce que dans nos positions, nous sommes restés fidèles à la ligne tracée par le parti depuis le début jusqu'à maintenant. De 2010 jusqu'à nos jours, le professeur a demandé à poser assez d'actes, assez de projets, de résultats positifs. Car nous prenons le domaine d'électricité, le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la diplomatie. J'en passe. L'adversaire qui avance sur nous ne souhaite pas qu'à 2020 ce bilan soit apprécié par le peuple. Mais passer par mille et un moyens pour que ce bilan soit rempli de taches noires. Et c'est ce qu'il doit refuser. Nous ne devons pas tomber dans le filet de l'agitation. Parce que notre champion de Fakwande nous a appris que le combat politique, c'est un combat d'idées, c'est un combat qui se combat par le nerf, mais c'est l'esprit. C'est pourquoi parfois, il était en contradiction avec le vieux politique, quand nous partions avec le message de la guerre. Lui, il le tenait tout à l'heure. Et à juste titre, il a parfaitement raison. C'est la ligne qu'il faut pour la Guinée pour que nous devenions un pays émergent. C'est pour cette raison. Quand nous sommes un grand parti, d'un pays à la carrière, nous ne devons pas faire de bruit. Nous devons continuer à sensibiliser le peuple qui est. Continuer à mobiliser, continuer à renforcer le rang, renforcer les bases du parti. C'est le seul travail que le peuple qui demande à l'ensemble des militants et des responsables. Si nous renforçons nos bases, le parti devient fort, il est alors qu'il est toujours fort. À chaque échec de notre plan, nous mettons notre parti au premier plan. Nous sommes plus que deux. C'est la seule façon de répondre à la violence. Donc, je voudrais inviter tous que, à la place de la violence, chacun met le message de paix et de mort pour que notre pays s'en sorte. Il y a un président cancer à la tête duquel. Le professeur Fakwande n'a jamais prôné la violence. Il ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas le peuple politique qui va le prôner. Ce n'est encore même pas les deux nationaux qui vont le prôner. Par contre, les actes posés par le président de la République, nous devons les commenter parce qu'il a reçu. Depuis que le professeur Fakwande est passé avec le président zambien, à son petit la dernière fois, cela a irrité ceux qui ne veulent pas voir les patrons. Or, son petit, qu'est-ce que son petit représente pour le pays? C'est une réalité concrète. Depuis la colonisation, on va concourir. Maintenant, le président va connaître la tête de réaliser, de rendre concret, de rendre réaliste. Pour la Guinée et pour ses pays voisins, et en plus pas. Voilà la réalité de la vie. Donc, camarades responsables, camarades militants, le président Kassiel, suivons le bien politique national qui suit le président de Fakwande dans la voie de la droiture et dans la voie du progrès. Je vous remercie. Nous savons qu'elles ont construit ce pays. Politique qui sont en train de se battre pour la compagnie du pouvoir, je l'ai dit la semaine passée,
les acquis. Préservons les acquis parce que si on détruit, nous serons obligés de reconstruire. Et l'argent qui sera utilisé pour la reconstruction peut servir à autre chose. Donc une fois de plus, on ne peut pas exercer le pouvoir dans la pagaille, dans la violence, dans la nation. On ne peut pas conquérir le pouvoir dans la pagaille, dans la violence, dans l'anarchie. Donc, des deux côtés, nous sommes appelés à la paix pour ce beau pays. Je l'ai dit encore la semaine dernière, quand malheureusement se souffre ici, nous sommes tous liés. Tous. Pour les choses. On a une bonne lettre même de vie, vous faites. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je ne parle pas politique, mais la paix, comme on l'a dit, notre parti, le rassemblement des Guinéens, nous ferons pour que ces Guinéens vivent dans la cohésion, dans l'entente, dans la paix. Abolissez. Vous savez, la semaine dernière, on avait dit que c'était la finale, la première édition de la Coupe du Président. Une compétition qui a opposé les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de la ville de Conakry. En finale, c'était la préfecture de Kankan qui a rencontré la préfecture de Léna. Je crois que le ressortissant de Béla, le ministre Fouma m'a dit qu'il était un grand féticheur. À Kouara est là. Je vous le dis avec une petite marmite. Ainsi, prêt à gagner. C'est sans oublier que il y a les donjons de Kanka et autres qui ont largement dominé. C'est un score de 3 à 1. Et Kanka a empoché 100 millions de francs guinéens et Béla a eu 50 millions. Ça, c'est la première édition. L'année à venir, les compétitions vont commencer dans les sous-préfectures. C'est pour l'animation sportive, c'est pour amener tous les jeunes de Guinée à se donner les mains. Parce que le football, le sport est un facteur de cohésion et d'unité. C'est pourquoi demain, je lance un appel à tout le peuple de Guinée de supporter le signe national demain. La Guinée doit se qualifier demain pour la CAN 2019 à Cameroun. Vous savez, le football, il n'y a pas politique, hein, il n'y a pas politique, il n'y a pas ethnie. Mais demain, nous demandons à tous nos sages de Guinée, aux féticheurs de Béla et de Mangana, toutes les mosquées et les églises prions pour la victoire de notre Sidi National. Maintenant, je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que le 21 de ce mois, nous allons lancer le Tour cycliste international de Guinée. Donc ici debout à Conakry, il y aura 10 pays qui vont participer. Nous allons lancer la course à Kissidougou le mercredi matin. Kissidougou, Farana, Mamou, Mamou, Labé, Labé, Mamou, Mamou, Kivia, Koya. Et le 25 de ce mois, ça sera Koya, Conakry, sous la présidence du président Robin, le professeur Alpha Condé. Mais je tiens à informer tous les transporteurs, tous les agents de la route, quand il y a la course entre une préfecture et une autre, il n'y aura pas de circulation. Il n'y aura pas de circulation,
n'y aura pas de circulation. Parce qu'il y aura tous les médias du monde qui vont couvrir l'événement. Et l'importance de l'événement, c'est de vendre l'image de notre pays, le tourisme de notre pays et plusieurs autres choses. Ceux qui connaissent un peu le cyclisme, il y a ce qu'on appelle le Tour de Faso, le Tour de la Côte d'Ivoire. Donc après le Tour cycliste international, à partir du 7 décembre, nous allons lancer les 15 heures artistiques et le Festival national. Nos activités vont se couronner par deux grandes activités, c'est le Festival des masques à Bokeh. Et nous viendrons à Kundara pour la lutte traditionnelle. Pourquoi j'explique tout ça? La culture et le sport, c'est des facteurs de paix et d'unité nationale. L'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est la paix et l'unité. Et nous, RPG Arc-en-Ciel, nous sommes condamnés à nous battre pour la paix et l'unité. Nous ne sommes pas plus de 30 ans. En disant que c'est Alpha Condé qui peut sortir la Guinée de cette difficulté. Si nous voulons que notre président réussisse là, nous devons nous battre pour la paix et l'unité. Nos amis qui sont surchauffés, nos amis qui veulent faire la chose, nous devons venir vers eux et dire la Guinée est au-dessus de nous tous. Donc, en ce qui nous concerne, dans notre département, nous ferons tout pour que les sportifs et les artistes se battent pour cette paix, pour l'unité nationale. Un mot, c'est un Guinéen, quel que soit son ethnie ou sa religion. Nous avons dit que nous n'en voulons plus. Comme elle l'a dit, tuer un policier, passionné et militaire, c'est de toucher au symbole de la nation, c'est de toucher au symbole de l'État. Tout Guinéen doit éviter cela. La police nationale est au service des institutions de la République. L'armée est au service de la nation. Aujourd'hui, c'est le RPG qui est au pouvoir, donc ces structures doivent royalement nous servir. Demain, si c'est Mamadou Ba ou Alpha Sadi qui est là, ces structures, c'est dans leur mission, c'est de servir la nation. Je pense que c'est un Guinéen qui pense qu'il est en dehors de la nation qui peut penser s'attaquer à un policier ou à un militaire. Une fois de plus, nous lançons un appel au calme. La paix n'a pas de prix. Je l'ai dit plusieurs fois ici, que Dieu nous en garde. Allons-nous qui s'y guérément. Ça guérit là-bas. Journaliste Mouna, médecin Mouna, taximan Mouna, ni tête Mouna, il m'a béni de l'homme. On guérit là-bas, libérer nous qui a prouvé. Quel homme qui est la Libéria, c'est alors un Camerounais, même dans la Guinée. Alors, quand on a la boule, 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 Allah qui m'a dit souvent, Allah qui m'a dit, moi-même qui suis de la vie, quand tu sois dit. Parce que ma sœur, c'est un même colombi, à qui c'est Jamana la parala, présente ces parala, ni qu'elle est Jamana colombi. Moi-même qui est ma sœur, ni là, à qui c'est ma sœur, parala, ni qu'elle est Jamana colombi. Donc voilà. Guinea Mante.